Danzig, oui, c'est Danzig. Danzig au fond, là, pour cette bataille 13e. Le 13e donc participera à la bataille de Danzig. Ici, un faubourg de la ville de Danzig, tenu par l'armée, protégé par l'armée prussienne. L'armée prussienne, donc, de. Je ne vois pas son officier. Si, il est là-bas. Donc, c'était un. Oui, monsieur. L'officier est ici. Et donc, on se prépare à un grand combat près de Danzig. L'armée, donc, face à Danzig, c'est l'armée de Napoléon lui-même. Avec, il a mis ses canons sur son aile gauche. Ici, les voltigeurs ont mis, comme d'habitude, les piquets devant les canons. Les canons toujours protégés par la garde, la vieille garde, et ici par le troisième léger. Le fameux ballon qui accompagne toutes les batailles de Napoléon. Et les régiments avancent vers le front. L'empereur s'est mis ici. Voilà. C'est pas pratique, mais j'y arrive. Voilà, le voilà. Dans sa petite redingote. Et maintenant, eh bien, nous allons pouvoir suivre plus particulièrement ce que va nous faire le 13e. Alors, le 13e, il est à l'aile droite, il est ici, non, il est ici, voilà. Pour l'instant, il n'a pas encore avancé. Le voilà, qui avance, justement, au pas de course, alors toujours, hein, avec son officier, il y a l'officier, le drapeau et le tambour, hein, qui mène au pas de course, le 13e, au combat. Alors ils vont se mettre près de cette butte ici. Là ils reçoivent des coups de canon, mais pour l'instant. Alors que le régiment ici, le 6e, va plutôt se battre contre les lanciers. Et la cavalerie elle-même, le 2e lancier et le 3e lancier se préparent aussi. À attaquer sur l'aile gauche des Prussiens. Ça va être d'ailleurs l'objectif dans cette bataille, c'est que l'aile droite de Napoléon doit écraser l'aile gauche prussienne pour ensuite se rabattre vers le centre. Et nous allons voir que c'est à cette manœuvre que vont être occupés les régiments de l'aile droite. Ici, il y a déjà 4 morts. Bon, on voit quand même que le 13e est sous les tirs des canons. Et face à lui, il y a le 11e de fantassins. Le 13e est soutenu ici par le 8e, alors que le 6e s'est mis en carré, puisqu'il y avait donc une cavalerie ici, hein, qui a été repoussée. Et maintenant, le 6e est attaqué par le 5e d'infanterie légère prussien. La bataille fait rage. On se tire dessus à qui mieux mieux. Le 11e recule, il est vaincu. Le 13e a été vainqueur. Enfin, le 13e plus le 6e, je pense. Le 8e, pardon. Qui s'est reculé d'ailleurs. Au niveau du 7e. Là, nous avons la cavalerie, le 4e chevaux légers. Ce sont des chasseurs à cheval qui viennent seconder l'aile droite. Parce que maintenant, le plan, c'est effectivement de détruire cette partie de l'armée
prussienne. Alors que dans les bois, l'aile droite et le centre s'affrontent, mais de façon moins... c'est moins clair, la bataille est moins claire qu'ici. Napoléon est toujours ici, derrière. Alors, la cavalerie est lancée sur le régiment qui tenait tête au 6e. Comme il s'agit d'un régiment d'infanterie légère, la cavalerie peut le charger sans craindre qu'il forme un carré. Et la bataille a lieu aussi un petit peu trop. Les voltigeurs et le 4e léger se sont lancés un peu trop rapidement contre. Enfin, ils repoussent quand même des régiments prussiens. Là, les régiments prussiens sont vaincus, mais il y avait à l'arrière, près des canons, il y avait deux cavaleries qui peuvent attaquer le 6e par surprise. Le 6e n'a pas le temps de se mettre en carré. Et la cavalerie française de l'aile droite est trop enfoncée par ici, en croyant avoir finalement détruit l'aile. Ils se rendent pas compte qu'il y a encore deux cavaleries. Enfin, ils s'en rendent pas compte. Maintenant, ils s'en rendent compte. Nos hommes battent en retraite, mais voilà, ils ont pas réussi. Ils ont été surpris quand même par cette attaque. Ça a été mal mené quand même, finalement. J'aurais dû penser à attaquer ces deux cavaleries pour en finir avec cette aile. Mais bon, l'infanterie, elle a été éliminée. Et maintenant, l'ennemi est obligé de faire rapatrier son aile droite vers le centre, puisque maintenant, leur aile gauche a disparu. Ou est en train de disparaître, disons. Il reste encore les deux cavaleries ici, plus les canons, qui continuent à tirer. Hein, donc, lui, le 13e, il a descendu dans la plaine. Il a plus que 130 hommes. Il se fait le carré pour éviter que la cavalerie l'attaque. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Une cavalerie bat en retraite. Trop épuisée, il y a eu trop de morts. Les deux autres continuent pour aller attaquer les artilleries de l'aile gauche. Et en terminer enfin avec l'aile gauche prussienne. Donc le 13e continue à rester en carré pour repousser toujours ses cavaleries. Ou du moins éviter d'être attaqué, d'être surpris par elle. Et le 8e ainsi que le 7e s'attaquent à cette unité de citoyens armés, alors que les cavaliers en terminent avec les deux canons, les deux artilleries qui tenaient l'aile gauche prussienne. Alors maintenant, le 13e est toujours en carré. Approchons-nous du 13e et voyons si... Alors apparemment, il a perdu... il n'y a plus que l'officier. Il a dû perdre, je pense, qu'il a perdu le drapeau et le tambour. Il n'y a plus que l'officier. Oui, monsieur. Il n'y a plus de tambour, il n'y a plus de drapeau. Pour conduire en rythme le 13e, sauf erreur de ma part, mais je ne les ai pas vus dans le carré. Et en tout cas, il n'y a plus le drapeau, c'est sûr, on ne le voit plus. Et je crois qu'il n'y a plus non plus le tambour. Maintenant, le 13e court pour se mettre à côté du 8e, épauler le 8e. Mais face à eux, maintenant, il n'y a plus. Nous avons tué leur général, monsieur. Le général. Nous allons les briser, c'est sûr. Le général est tué par les deux cavaleries. Voilà. Donc, effectivement, le 13e, qui n'a plus que 130 hommes. Sauf. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il ne reste plus que l'officier. Voilà. Il est là. Juste ici, l'officier. Ouais, il n'y a plus le tambour. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Il n'y a plus le tambour et le drapeau non plus. Ce qui est assez rare, hein, souvent l'officier meurt et les autres restent.
Cette fois-ci, c'est le contraire. C'est le tambour et le drapeau qui ont été fauchés. Bah là aussi, hein, y a pas le drapeau non plus. Et voilà, le 13e, donc maintenant peut rester l'arme au pied. On n'a plus besoin de. Apparemment, on a besoin de lui dans cette bataille. Il court comme encore. Avec toujours avec le 8e. Mais je pense qu'ils ne se battront plus puisque la bataille maintenant se passe de l'autre côté, sur l'autre aile. Où ils ne sont pas concernés. Vos unités est à court de munitions, monsieur. Il reste encore ce régiment. Ah oui, ils vont, je crois, oui, si je me souviens. Ils vont quand même se battre encore. Se mettre en tout cas en position contre les régiments qui fuient. Oui, c'est exact. Mais voilà, la fin de la bataille pour le 13e.